Donc, quant au studio de Bordeaux, c'est un studio qui est un peu plus jeune dans l'archipel un peu des différents studios à travers le monde, puisqu'on va sur nos 5 ans d'existence, enfin, dans la 4e année, me semble-t-il. On doit être autour de 400, peut-être, voilà, d'employés à la louche. Je n'ai pas le chiffre le plus exact, hein, vous me pardonnerez. Que dire, c'est un studio qui a été fondé justement pour aider le studio de Paris sur des projets sur la franchise Ghost Recon. Et voilà, et après c'est aussi un studio, disons que chaque studio a un peu sa part d'autonomie, mais fait également partie, disons, d'une politique globale au niveau d'Ubisoft, avec un top management, avec un pôle éditorial aussi qui supervise un peu et qui fait du conseil sur les différents jeux et sur la direction un peu que l'entreprise donne à son catalogue et son portfolio de jeux. Donc voilà, pour resituer un peu le côté micro-macro du lien entre les différents studios et l'entité mère Ubisoft. Et puis que dire de plus, je pense que sur les jeux sur lesquels j'ai pu travailler, on y reviendra peut-être un peu plus au niveau de mon parcours, si on en parle, mais je pense que voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les bâtiments sont en tout cas près de la Cité du Vin. On est répartis sur 2 bâtiments, plusieurs étages, voilà, donc c'est des gros open space. On verra une petite vidéo tout à l'heure qui vous montrera un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà, ce sera une bonne petite introduction. Donc du coup, moi, je vais vous parler du fabuleux métier de narrative designer. Voilà, donc vous pouvez voir Sébastien Delhermite avec un seul T, je précise. Donc voilà, on va partir de questions très simples, comme pour le sound design, etc. Qu'est-ce que c'est ? Donc principalement le narrative design, en tout cas moi c'est ma conception de ce métier-là, c'est une sous-discipline du game design, donc vous avez un résumé rapide, on pourrait dire que c'est un métier consistant à définir les règles et le déroulement d'un jeu vidéo. C'est un métier qui est consacré à la gestion interactive, je puisse très fort sur ce mot-là de la narration dans un jeu vidéo. C'est pas la même chose de raconter une histoire dans un autre média et de la raconter dans le jeu vidéo. Donc le narrative designer est là pour se consacrer à la spécificité interactive du jeu vidéo. Et c'est un métier relativement récent, puisque la première fiche de métier est apparue en 2006. Donc autant vous dire que quand j'ai commencé mes études de jeux vidéo, j'étais parti faire game designer, je me suis spécialisé par la suite. Et disons que ce métier vient répondre à un souci, notamment sur des plus grosses productions de cohérence des récits vidéoludiques, quand on a plusieurs pôles qui travaillent ensemble. Donc c'est quelque chose qui a déjà été abordé, c'est la grande difficulté, c'est on construit une cathédrale ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait une tour qui fasse ça, une tour qui fasse ça, et d'aller ensemble vers le même chemin, c'est un métier qui vient assurer la cohérence de ce qu'on veut raconter. Et donc, c'est un métier que je définirais comme un métier carrefour, un métier qui est plutôt de conseil et pour construire de la cohérence. Et donc, là, vous avez une représentation un peu de ce carrefour, des différents métiers entre lesquels on navigue. Donc, principalement et de manière un peu pour définir le métier, c'est un narrative designer est entre un game designer et un écrivain dialoguiste. Donc il va venir situer. Si on devait distinguer vraiment un writer, un écrivain d'un narrative designer, je dirais qu'un écrivain va vraiment se préoccuper de l'expérience de la narration des personnages, comment je caractérise le personnage, comment le personnage vit la situation narrative. Et le narrative designer va se préoccuper de comment le joueur va faire l'expérience de l'histoire. Mais selon les studios, il arrive qu'il y ait vraiment un aspect pervasif un peu entre les deux postes. Comme on a dit auparavant, en fait, dans un plus gros studio, il va y avoir une tendance à spécialiser davantage les métiers. Donc sur un studio plus petit, il arrive qu'un narrative designer ait aussi la charge de writer, écrivain, dialoguiste.
Donc ça, c'est un aspect important, donc le game design évidemment, mais également parfois le cinématique design, donc tout ce qui va être le travail des cinématiques, un peu de la mise en scène et de la réalisation notamment, c'est aussi un peu un métier de la réalisation, le narrative design, et aussi le voice design pour des raisons évidentes de enregistrement de voix, organisation de sessions d'enregistrement, gestion du nombre de lignes, et je confirme, Excel est votre ami dans ces cas-là, puisque notamment lorsqu'on fait des voix d'IA, des voix systémiques de personnages qui vont réagir à un certain nombre de choses, on peut se retrouver avec beaucoup de volume, parce qu'on va avoir plusieurs acteurs, on va avoir plusieurs archétypes de PNJ, etc. Donc ça, c'est exponentiel. Donc déjà ça vous donne un peu un panorama un peu plus large, parce que narrative design ou narration dans le jeu vidéo, on s'imagine souvent un jeu narratif très linéaire où on écrit, etc. Mais en fait, même dans un jeu qui va avoir des aspects extrêmement systémiques, un jeu en monde ouvert ou même des jeux qui sont plus orientés gameplay, bien en fait, dès que vous avez des éléments de création d'univers, d'immersion, un narrative designer va pouvoir amener des choses. Et donc je dirais que la grande division, c'est entre les jeux qui vont vraiment avoir un contenu scripté, qui vont raconter une histoire de bout en bout, qui vont vous mener sur une expérience un peu guidée en termes de narration, avec ce qu'on appelle les narrative beats, donc des éléments narratifs qui sont constitutifs d'une histoire, et de l'autre côté des jeux qui vont être plutôt centrés expérience, où c'est plutôt vous qui allez vous raconter, on vous donne des outils, c'est un peu comme dans un bac à sable, vous vous exprimez votre propre histoire. Cependant, il faut quand même créer un univers. Pour faire un parallèle un peu plus signifiant que le charabia abstrait que je viens de faire, dans l'industrie du jouet, bah, par exemple, prenez les Transformers, bah, y a une série qui va poser l'univers, qui va poser le world building, et à partir de là, bah, les gens, les enfants, vont s'approprier les jouets et créer des histoires à partir de ces éléments d'histoire qu'on leur aura donné. Donc tout ça peut se mélanger, en tout cas dans le narrative design, si ça fait sens ce que je dis. La spécificité du narrative design à Ubisoft, donc il y a plusieurs styles de jeux. On est plutôt connu pour des jeux en monde ouvert, mais on a aussi des jeux avec des niveaux plus fermés. Je pense que c'est le cas du jeu sur lequel travaille Charline. Et donc on travaille à travers des systèmes narratifs. Donc c'est un mot un peu barbare, on parle même de narrative means hein, dans notre jargon un peu franglais à Ubisoft. Disons que c'est tous les systèmes qui vont délivrer de la narration. Donc ça peut être un texte de description d'objet, un texte narratif, une voix, etc. Et donc le narrative designer va concentrer son travail là-dessus. Souvent, on est en équipe, même si, par exemple, moi je travaille sur des équipes très très resserrées sur mes derniers projets. Mais on nous donne une responsabilité sur une partie délimitée. Donc on va dire une personne va plutôt s'occuper des voix IA, une personne va plutôt s'occuper des voix de mission, par exemple. Donc travailler en équipe, donc grande importance de la communication. Ben, plus on est de gens, plus on est sur des gros projets, plus la communication est une part essentielle du travail. Donc, et en tant qu'introverti, ben, on apprend sur le tas pas mal. Mais bon, ça va, jusqu'ici j'arrive à vous parler. Et donc on travaille en équipe sous la coupe d'un lead ou d'un directeur narratif. Enfin, en tout cas, il y a un directeur narratif et parfois un lead. On va rédiger des briefs narratifs. Parfois, il arrive que j'ai déjà rédigé des textes directement, mais l'idée, c'est plus qu'on va encadrer l'écriture et donner toutes les informations aux writers pour qu'ils puissent, qui sont en général anglophones à Ubisoft, pour qu'ils puissent écrire les textes sans avoir à se soucier de la partie design, de la partie système, qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur spécialité qui est l'écriture, la caractérisation des personnages. Et évidemment, on est un peu les gardiens, les paladins de la cohérence du récit global. Il y a tout un travail de suivi de l'écriture, comme Lauriane a un peu souligné vis-à-vis des enregistrements de voix. C'est très important d'organiser des sessions de voix, si on doit faire des retakes par la suite, prévoir des sessions de retakes, et voilà, s'assurer que tout ça soit rigoureusement rentré dans notre base de données. Et évidemment, qui dit plus gros studio avec grosse équipe, dit processus de validation. Donc votre travail remonte à votre lead qui valide, puis ça remonte à votre directeur narratif. Et voilà, il y a cette espèce de boucle de validation. Et voilà un peu pour un panorama de comment ça marche. Oui, voilà. Donc du coup, c'est le dernier projet sorti sur lequel j'ai travaillé, qui est donc Rainbow Six Extraction.
C'est un codev, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le studio qui était owner, donc qui dirige le projet, c'était le studio d'Ubisoft Montréal. Donc voilà, le côté anglophone aussi, on a parlé pas mal avec des French Canadiens. Donc ils parlaient français, mais il y avait aussi pas mal d'internationaux, y compris dans nos équipes. Donc en fait, l'anglais est assez présent. Évidemment, outre l'ironie de travailler sur un projet qui s'appelait d'abord Rainbow Six Quarantine avant le Covid. Donc déjà, il y a une espèce de télescopage assez intéressant entre la fiction et la réalité. Mais le jeu a été renommé pour des raisons assez évidentes. Voilà, en plus le télétravail, avec la gestion de travail à distance, avec une équipe de Montréal qui, elle, commence quand nous, c'est 14h, eux, ils commencent leur journée. Et donc c'est une petite vidéo qui a été faite récemment en interne pour présenter un peu notre premier contenu événementiel sur le jeu. Et vous allez voir plusieurs corps de métier. Donc du coup c'est sympathique et je me suis dit que ça serait cool de vous la montrer. Acteur Studio. Trois mots. Rainbow Six Extraction est sorti le 20 janvier dernier et compte désormais plus de 5 millions de joueurs et on vous remercie énormément pour ça. Au studio de Bordeaux, on a travaillé en étroite collaboration avec Montréal sur le main game, sur les assignments, sur le shop et sur tout le contenu post-log. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de la première crise, c'est parti. Spillover, c'est la première crisis de Rainbow Six Extraction, donc le premier événement du jeu. On aime bien l'appeler l'expérience de défense ultime. Alors pour la première crise, on part vraiment de l'objectif gameplay, donc c'est-à-dire de faire un objectif de défense. On conçoit une mutation du parasite à partir de cela. Les entités ici qui sont nouvelles, ce sont les colonies archéennes, et on a vraiment essayé de leur donner une dimension iridescente, un peu comme certains reflets qu'on voit sur la carapace dans le jeu. Et donc là, en retour, on a des sources un peu Lovecraftienne, tout ce côté horreur cosmique. On va atteindre le next level en termes de capacité à se synchroniser, communiquer, à définir une stratégie en équipe. On change drastiquement la structure de jeu, on n'est plus sur trois zones, mais une seule. On n'a plus 15 minutes de temps dans la zone, mais 25. Ces 9 zones ont une défense, une décontamination qui dure 1 minute 30. C'est pas si large en fait. Les joueurs vont voir que il va falloir définir une stratégie parfaitement huilée pour réussir à aller au bout. Et pour finir, vous allez aussi voir que chaque crise vient avec son set de quêtes. Et une de ces quêtes récompense par l'obtention d'une nouvelle Reactech. Reactech qui va être appropriée avec le gameplay de la crise. Là, en l'occurrence, on l'appelle l'autotourette. C'est une tourelle automatique super stylée, j'avoue, qui va viser automatiquement les ennemis qui arrivent, qui est très efficace dans les situations défensives comme Spillover et d'autres objectifs du jeu principal. Pour traduire l'ambiance de ce mode-là, donc qui est un mode de défense, qui est un mode très orienté action, on a vraiment travaillé sur les contrastes entre les phases calmes et les phases où on va combattre finalement ces hordes d'archéens qui vont nous arriver dessus pendant ces phases de défense. Également, le son de design, le travail sur le son du gaz, le travail sur les cris d'alerte avant que les archéens arrivent pour attaquer nos très chers opérateurs. On a été plutôt libre dans le processus créatif, en fait. On voulait vraiment amener des expériences exotiques, originales, mais respectant les piliers du jeu, la communication, la tactique, etc. Et en fait, on a fait un énorme brainstorm réunissant une majeure partie de l'équipe à Bordeaux, avec des personnes issues de tout corps de métier. On a fait quelques exercices créatifs, on a laissé les gens voter. Avec l'équipe design, on a creusé les idées les plus plébiscitées, et voilà, donc en gros, ça nous a donné Spillover. Avec la sortie du jeu, on a pas mal regardé les commentaires sur Reddit dernièrement de la communauté, et j'ai pu voir que pas mal de monde mentionnait le mode Horde, comme quoi ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de mode dans Extraction. Et en fait, Spillover, c'est un peu le mode Horde d'Extraction, adapté à la sauce Extraction avec ses différentes mécaniques et spécificités. J'ai vu d'autres commentaires faisant écho à une prochaine crise, mais j'en dirai pas plus pour le moment. Un des plus gros challenges pour nous sur le développement de cette crise, ça a surtout été de travailler en parallèle de la production du jeu principal sans qu'il soit terminé et en même temps de se projeter sur du contenu qui va sortir juste après. Cette première crise, ça a été la première crise qu'on a eu à gérer dans l'équipe. Il y a eu un certain affect, on s'y est pas mal attaché. Il a fallu aussi veiller à
à pouvoir vérifier et tester tous les aspects du jeu, donc la crise en elle-même et tout ce qu'il y avait autour. Coordination, stratégie et challenge. Contrôle, défense et inconnu. Nouveauté, défi et Bordeaux. De la défense, du fun et Jaeger. Beaucoup d'éléments dans cette vidéo, donc vous pouvez voir le côté justement comment la collaboration entre Montréal et Bordeaux s'est articulée, où en gros Montréal nous donne un mandat en disant on a des modes et on cherche à faire ça, et Bordeaux s'empare de ce mode et fait aussi des propositions. Donc il y a aussi une forme quand même de liberté de création contrainte, toujours dans un cadre précis, et puis toujours en collaboration évidemment. Vous avez vu plusieurs corps de métier, donc à la fin vous avez vu Marine qui était notre dev test, qui est un métier assez important à Ubi, donc c'est des gens qui sont intégrés à l'équipe de développement mais qui font des retours qui peut être assimilé au QA, donc l'assurance qualité, mais voilà, c'est aussi des gens qui sont vraiment intégrés dans l'équipe. Et comme vous pouvez voir, il y a sur ces contenus-là, il y a eu un processus assez de brainstorm collectif tout d'abord, et ensuite les game designers se sont emparés des idées qui sont émergées en collectif pour les développer. Et donc sur cette vidéo, je parle pas mal de réalisation aussi en fait, sur voilà, des aspects, puisque j'étais amené par mon directeur narratif à me consacrer aussi à de la coordination. De réalisation, donc c'est un peu à côté du poste stricto sensu de narrative design, donc voilà, c'est un cas particulier sur ce projet. Mais pour égrener rapidement les types de voix, donc par exemple ce jeu-là est un jeu qui est très centré gameplay, qui est très centré sur l'expérience, donc on est vraiment parti de l'expérience gameplay, donc la crise spillover, on savait qu'en gameplay on voulait faire un objectif de défense, et en fait la narration s'est construite par-dessus ça. Donc j'ai vraiment adopté une approche très... avec un pitch très court, et on a vraiment adapté cela en parallèle avec la réalisation, et de l'autre côté avec la création des quêtes que du coup Benjamin, que vous voyez là, évoquait. Ces quêtes qui, dans la fantaisie du jeu, il y a une espèce de fantaisie scientifique, c'est-à-dire le parasite, c'est un espèce d'ennemi sans visage, extraterrestre, on ne sait pas vraiment de quelle est sa motivation, de quoi il est composé, etc. Donc on l'étudie tout en le combattant. Et donc les studies sont des espèces de challenge gameplay qui sont très gamifiés, c'est par exemple faire un certain nombre d'objectifs dans le jeu, etc. Et à partir de là... on révèle des parties de en gros des sortes de données scientifiques qui permettent d'élaborer des théories sur le parasite et sur pourquoi il a ces crises, etc. Voilà, évidemment, je dis beaucoup, voilà, aujourd'hui. Dans le jeu, il y a énormément aussi de voix, donc il y a les opérateurs eux-mêmes qui ont leur barks. Alors ceux-ci, je ne m'en suis pas occupé, parce que ils étaient déjà faits par Montréal, en fait, on n'a pas rajouté spécialement de voix, mais on avait également une IA qui nous parle dans le jeu, des haut-parleurs, donc ça, c'est des narrative mines audio. Donc typiquement, on va travailler avec des voice designers pour les intégrer, qui, une fois que la line est écrite avec le writer, que nous, on l'a briefé, que c'est validé, ensuite va partir en enregistrement également. Par exemple, les haut-parleurs et la voix IA qui nous parlent dans le jeu, c'est typiquement du text-to-speech, donc c'est similaire aux voix robot placeholder dont tu parlais, mais elles sont traitées de telle sorte à ce que ça devienne des personnages définitifs dans le jeu, ce qui nous permet aussi une sorte de souplesse, parce que par exemple quand on enregistre un acteur, ben voilà, on le book pour une session à Montréal, par exemple c'est 2 heures ou 4 heures, ben une fois que c'est enregistré c'est fini, alors qu'une voix robot, ben on peut la retoucher davantage. Donc dans la réflexion aussi sur un jeu et sur quel moyen narratif on va utiliser, ces éléments de production peuvent aussi rentrer en compte. Donc il y a tout est mélangé, quoi. Il y a l'esthétique, il y a la production, il y a le temps, il y a l'argent. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Même si on est sur des grosses productions, il y a toujours des contraintes. Pour terminer sur un élément de chiffre, dans le pic de production à Bordeaux, on était 40 personnes. Donc on était une relative petite équipe, même si après Bordeaux, il y a du multiprojet, etc. Voilà, à peu près, c'était déjà un long exposé. Donc moi, à la base, je voulais faire dessinateur de bande dessinée. Je dessinais pas mal jusqu'au lycée, où j'ai plutôt bifurqué vers la musique comme passion perso.
Et en fait, mes parents me rapportent que déjà à 8 ans, je voulais faire du jeu vidéo et avec une idée fixe d'affaire Lengmin. Donc bon, visiblement, c'est déjà assez, voilà, une idée fixe. Donc mes parents ont dû appeler Lengmin et leur poser la question de quelles études fallait faire. On leur a répondu, il peut faire ce qu'il veut. Et donc j'ai fait des lettres, hein, donc bac littéraire, option théâtre, donc vraiment marginal de marginal. Ensuite, j'avais une année d'avance, donc j'ai fait une année de LEA anglais-japonais, que j'ai magnifiquement planté. Je suis revenu dans le droit chemin des lettres modernes pendant 2 ans. Et donc, en fait, à ce moment-là, je crois que j'en avais un petit peu marre de la fac, en fait, ou d'être dans cette situation-là, puisque je devais avoir des espèces de phobies administratives ou être pas très bon avec l'administration, mais n'ayant pas rempli une fiche de niveau de langue, je crois que sur le BV, tous mes cours de langue de conversation anglaise avaient disparu, donc du coup, je n'y ai pas été. Donc du coup, j'ai dû faire un semestre en Ajac après. Donc c'est pour vous dire, voilà, au cas où vous m'idéalisez parce que je suis Ubisoft, voilà, j'étais à votre place, je sais ce que c'est. Donc de galérer, d'aller à l'administration pour qu'on vous affiche vos notes. Ah oui, c'est vrai, vous êtes en Ajac, machin. Là, là. Donc j'ai quand même validé mes 2 années, mais j'en ai fait une espèce de j'en ai eu un peu marre. Je me suis dit j'avais besoin de changer de contexte en fait à ce moment-là. Je pense que j'avais besoin de bouger un peu, de voir des choses, et donc j'ai fait la licence pro jeux vidéo à Montpellier. Donc sachant qu'il y en a deux, il y en a une à Bobigny, il y en a une à Montpellier de mémoire. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres depuis. Donc voilà, c'était une formation très très chouette en université, mais un peu en même temps à part, dans un espèce de groupuscule, dans une salle planquée au 3e étage dans l'université Paul Valéry à Montpellier. Donc il y avait un peu ce côté voilà, groupusculaire, et de me retrouver avec des gens qui avaient la même passion que moi, etc. Donc c'est évidemment passionnant, parce qu'on se confronte évidemment, tout le monde a des goûts très tranchés, tout le monde est persuadé de savoir ce qu'est un bon jeu. Voilà. Donc évidemment, on a des débats passionnés, des professeur également passionnant, avec tout un plein de références intellectuelles encore très universitaires. Donc en fait, on baigne encore dans cette ambiance très de réflexion. Ensuite, j'ai passé le concours d'entrée à Lengmin, donc j'ai eu la chance d'y être. C'était à l'époque où c'est passé des anciens bâtiments Moebius au bâtiment du Nil, qui venait d'ouvrir. Donc c'était assez, c'était encore plus waouh, parce qu'on était dans ces nouveaux bâtiments. Donc, il est important de dire un mot sur Lengmin, c'est une école publique. Il y a beaucoup d'écoles privées, donc Super Info Game, je vais en rater, il y a Lican qui a un bachelor, je crois. Il y a Isard Digital, enfin voilà, il y a beaucoup de formations. Je vous renvoie si jamais vous voulez vous informer sur les différentes formations possibles. Donc voilà, il n'y a pas que Lengmin, même si ici vous avez des représentants de Lengmin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Principalement, ce qui est très intéressant dans une école, c'est que c'est un contexte pour apprendre. C'est-à-dire, vous avez 2 ans, c'est hyper précieux, 2 ans où vous pouvez vous consacrer uniquement à quelque chose. Voilà, sans débourser non plus trop, dans le cas de Lengmin. Et puis, commencez à vous faire un réseau professionnel. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens que vous fréquentez dans ces écoles-là qui feront partie de votre réseau professionnel par la suite. Donc, c'est des fois une expérience sociale assez particulière parce qu'il y a une espèce de mélange des genres. On a toujours une certaine immaturité parce qu'on sort de nos études. On se professionnalise. Ce qui est particulier quand on est à l'université, c'est qu'on est dans un schéma très intellectuel pour quasiment devenir universitaire. En particulier, à partir de la L3 de lettres, on commence à rentrer dans des choses pour devenir professeur. Et en fait, quand on rentre dans un monde plus professionnalisant, c'est d'autres références. Et des fois, c'est compliqué de sortir à Bac+5 et de dire je dois réapprendre à me réintégrer dans un nouveau contexte. C'est parfois même très violent, symboliquement. Parce qu'il faut faire des lettres de motivation, faire des CV, des portfolios, faut se vendre, faut arriver à faciliter le travail d'un RH en lui donnant l'information le plus rapidement, alors que nous, on est habitués à faire des développements intellectuels, pléthoriques, etc. Donc, c'est très particulier. Et donc, comment j'en suis arrivé au narrative design ? Par plusieurs aspects. Bon, d'une part, le background littéraire qui forcément joue dans cet élément-là, mais aussi parce que je pense que c'est... On parlait de nécessité de cohérence dans les récits vidéoludiques et en plus dans l'industrie. Je pense que c'est important que la connaissance au niveau du storytelling se développe aussi dans les studios. C'est que souvent, vous allez voir, il y a différents studios qui ont différentes cultures.
Donc il peut y avoir des studios qui ont par exemple, une culture très tech. J'ai le sentiment que c'est un peu comme ça à Sobo, par exemple. À Ubisoft, je dirais qu'il y a plutôt une culture game design, quand même, dans l'ensemble. Je pense que c'est plus compliqué que ça, évidemment, mais je dirais voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est important qu'on soit dans différents pans de l'industrie, mais d'essayer de faire avancer la compréhension de ce pan-là. Parce que le jeu vidéo, et vous en avez une représentation ici, il mélange énormément de médias, en fait. C'est une espèce de... C'est un média qui est hybride. Comme l'opéra est une sorte d'hybride entre la musique et le théâtre. Nous, il y a une hybridité entre beaucoup de choses. Et du coup, c'est plus difficile de tout maîtriser. Donc on a besoin d'une grande collaboration et également de beaucoup de gens très spécialisés. C'est pour ça aussi que c'est passionnant, parce que c'est un grand challenge de faire ces cathédrales, en plus sur des jeux triple A énormes avec beaucoup de systèmes, et beaucoup de... plus il y a de systèmes, plus il y a de potentialité de créer des bugs en chaîne. Donc voilà, je m'éloigne un peu de mon parcours, mais disons que je... plutôt que d'être sur un profil de game design, où finalement mon profil, comment allait-il se démarquer des autres, j'ai développé ma ligne de force sur la narration. D'une part parce que ça m'intéressait de faire avancer ce sujet-là à mon modeste, à mon modeste niveau, et également parce que ça me permettait d'avoir un profil plus spécialisé, aussi plus intéressant. Donc c'est un ensemble de choses. Puisque j'étais déjà assez long, le dernier aspect que j'aimerais vous dire, c'est aussi sur le côté équilibre. On est sur des métiers créatifs, mais on est dans une créativité contrainte, on est salarié, on ne peut pas parler des projets en cours. On est en contrat d'exclusivité aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire en tout cas à Ubisoft, on n'a pas le droit de faire des projets de jeux vidéo à côté. Voilà, on est en exclusivité. Donc je pense que c'est important, quand on est créatif, pour l'équipe personnelle, aussi d'avoir une créativité à côté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. D'avoir aussi un peu son jardin à soi. Et pour ma part, c'est la musique, par exemple. Donc la musique, c'est ma créativité libre, où il n'y a personne qui me dit... et donc ça permet d'avoir un équilibre et une balance entre le métier que vous voulez faire, où vous êtes prêt à faire des concessions pour travailler en collectif, à faire des concessions parce que ça, c'est votre gagne-pain. Et de l'autre côté, essayer de conserver une réflexion intellectuelle, artistique, esthétique, sur d'autres pans, sur d'autres médiums, et... voilà, avoir cet équilibre, parce qu'on peut en fait, si on est uniquement, je pense, un ultra passionné de jeux vidéo, on peut aussi se griller, parce qu'on va être dans son perfectionnisme et dans son idéal, et en fait, il faut aussi travailler ensemble. Voilà, à moins de fonder son propre studio et de le diriger de manière autocratique, ce que je ne vous conseille pas dans l'ensemble, c'est pas très éthique. Vous allez avoir besoin d'autres personnes, donc vous avez besoin de pouvoir partager une vision, sur la durée, parce qu'il y a aussi ça qui rentre en compte, c'est qu'un jeu vidéo, ça met en général 2-3 ans, voire jusqu'à 5 ans, voire plus, à être fait. Donc c'est important de travailler dans un contexte aussi où chacun se sent à l'aise, chacun se sent respecté dans sa spécialité, pas se marcher sur les pieds, et donc la communication et le caractère humain est hyper important. Ça peut rapidement être un enfer, et donc c'est important, ouais, de se former à travailler avec des gens qui pensent pas tout à fait comme vous, qui ont un autre angle, d'autres casquettes, etc. etc. Voilà. Dans un premier temps, essayez d'identifier dans quoi vous avez une soif naturelle aussi, dans quoi vous êtes bon, et qu'est-ce qui va vous permettre de progresser sans nécessairement que ça soit toujours une contrainte où vous poussez. Si vous avez une curiosité naturelle vers quelque chose, c'est un super atout pour développer cet aspect. Parce que vous avez une motivation intrinsèque, ça vous plaît de développer ce sujet-là. Ça peut vachement aider au début à cerner un peu quel type de spécialité peut vous intéresser dans différents champs. Ensuite, sur l'atmosphère de compétition, bon, déjà prendre chaque situation comme un exercice. Avec philosophie, c'est que des fois, en plus en école, on peut vachement se mettre la pression et dire « là, ce projet, il faut que ce soit machin ». En fait, vous apprenez vachement plus sur un projet qui se plante que sur un projet qui se passe bien. Quand tout se passe bien, en fait, c'est que tant mieux, c'est super, faut le célébrer. C'est important de célébrer les victoires quand vous êtes en école, parce que rapidement, quand on arrive à faire des trucs, on dit « ok, c'est bien, on passe à la suite ». Et faut arriver un peu à profiter des bons moments, parce que ça passe vite.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, l'atmosphère compétitive. Si vous voyez quelqu'un qui est bon et qui va, dites-vous que des fois c'est aussi le contexte. Voilà, il arrive des fois que des gens aient déjà fait une autre formation avant, donc ils arrivent mieux, plus formés que vous, etc. Contextualisez et puis surtout inspirez-vous. Dites super, t'es super bon, bah ça m'inspire, et utilisez ça comme un tremplin plutôt que comme un truc de vous dire il a 3 ans de moins que moi et il dessine 3 fois mieux. Non, bah c'est un tremplin. Et puis ultimement, bon, ce qui est important, c'est aussi de trouver sa voie et de soi-même être aligné avec soi. Et vous pouvez pas être aligné avec le destin de quelqu'un d'autre. Enfin, vous êtes vous, l'autre personne et l'autre personne. Donc voilà. Et ultimement, vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement talentueux et être un professionnel pitoyable. Et vous pouvez être un très bon professionnel en n'ayant pas forcément un niveau technique absolu. Donc il y a de toute façon, c'est multiple, il y a plusieurs R que vous pouvez développer et ça sera vous à la fin. Et ce sera vous qu'on recrutera. Ensuite, sur les process de recrutement, bah, c'est pareil, vous allez passer des tests. Il y a certains studios qui poussent beaucoup le test, qui des fois vont vous tester beaucoup. Bon, c'est un peu un passage obligatoire des fois, ça peut être une pratique discutable des fois, mais c'est vrai que comme on est sur des métiers créatifs, ça aide les gens à se faire aussi une idée. Ça peut être un exercice intéressant, même si à la fin vous n'êtes pas recruté. Bah, tout processus de recrutement, en fait, ça vous aide à vous présenter. Et voilà, et ce qui est important, c'est de se détacher du résultat, de dire que c'est pas vous qu'on rejette, mais c'est qu'il y a peut-être eu un meilleur profil en face qui correspondait mieux. Et puis aussi, un aspect qui est pas forcément, c'est pas très sexy d'en parler, on va dire, mais c'est le côté où il y a aussi l'offre et la demande. C'est que sur certaines spécialités, il y a beaucoup de monde. Et pour se démarquer de la masse quand il y a beaucoup de monde, sur le game design, il y a toujours beaucoup de monde. Donc on va se démarquer en devenant level designer, en devenant combat designer, en devenant system designer, en devenant narrative designer, si on veut cibler des entreprises qui cherchent des profils plus précis. Sinon, vous pouvez aussi avoir un profil plus général, et ça, on peut aussi le défendre. Mais c'est vrai que des fois, certaines entreprises, moi par exemple, sur mon CV, je me présente comme game et narrative designer. Bah, évidemment, la question qu'on va poser en entretien, c'est « Et si vous aviez à choisir entre game design et narrative design, qu'est-ce que vous choisirez ?» Bon, voilà. Après, c'est aussi à vous de savoir vos priorités et de savoir vous mettre en valeur tout en étant aligné avec vous-même et transparent. Vous n'avez rien à gagner à cacher ou à mentir, à moins que vraiment vous ayez un métier qui vous passionne. J'ai un exemple assez rigolo d'un réalisateur d'animé au Japon qui était un passionné de cinéma, etc. Et qui pendant un entretien, il a dit qu'il était hyper passionné d'animation, etc. Alors qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est la réalisation. Bah, il a menti par omission, mais en même temps, ça lui a permis d'avoir un premier pied à l'étrier, de se développer, et puis après de faire des films d'animation. Et cette personne, c'est Mamoru Oshii. C'est la personne qui a réalisé le Ghost in the Shell de 95, voilà, les Pirates Labor, etc. Donc, bon, c'est peut-être pas forcément un exemple. Je vous recommande pas forcément de mentir en entretien, mais justement, c'est l'idée de savoir vos priorités, ce que vous avez envie de faire. Et parfois, voilà, vous avez un but. Mais parfois, avoir un premier pas, un premier pied dans l'industrie, même si c'est un pas de côté, c'est bien aussi. Voilà. Après, je vous avais parlé de l'équilibre entre créativité perso, etc. Parce que moi, le seul calcul que j'ai fait de ma vie, c'est de dire la musique, je ne peux pas faire de concession. Enfin, c'est sacré pour moi, donc je peux pas en faire mon métier. Là où le jeu vidéo, il y a un côté design, donc il y a un côté plus de réflexion, rationnel, centré utilisateur, donc on peut un peu plus se détacher. C'est vrai que si vous faites un métier créatif et que vous êtes extrêmement attaché à ce que vous faites, et ce que vous faites c'est une extension de vous, vous pouvez émotionnellement prendre des gros coups déjà en école, quoi. Parce qu'en école on va vous ramener sur le plancher des vaches, vous allez voir des gens meilleurs que vous, oui, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le... Bastien, j'ai le souvenir d'une slide où vous présentiez les métiers qui étaient très demandés, mais où il y avait moins de candidats. Tout à fait. Merci de me remettre sur les rails, parce que sinon je pars dans le décor. Oui, et donc il y a, par exemple, narrative designer, aujourd'hui il y a très peu de postes. Mais par contre, une personne qui va être bien spécialisée dessus et qui va correspondre à ce qui est attendu par l'entreprise, va avoir plus de chances. Je sais que sur mon poste, quand j'ai été recruté, on m'a dit qu'il y avait 400 en candidature. Donc ça peut être un peu effrayant, mais voilà, on peut en survivre, même si tout le monde... Donc voilà, il faut vous attendre à ne pas passer toujours à travers les grilles.
Et donc oui, du coup, il y a des métiers qui sont très demandés en grand nombre, il y a des métiers qui sont demandés en moindre nombre, et ça peut aussi vous aider à orienter votre spécialité en disant bah, sur quoi... Et ça, ça change tout le temps. Donc il faut se renseigner et dire, bah, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en game design, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent en sound design, en level art, en level design. Et avoir le lien entre l'attente des studios, le nombre de personnes. Voilà. Désolé, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais ça peut rentrer en... C'est des questions qu'on ne se pose pas et c'est important de se les poser en amont. Moi, par exemple, me spécialiser en narrative design, ça s'est fait dans l'année en suivant de l'Engmin. Et donc j'ai mis un an avant de retrouver un poste parce qu'en fait, je n'avais pas fini ma réflexion sur ce sujet. Donc plus vous le faites tôt, plus vous pouvez arriver compétitif et bien, quoi.